sympa déjà de vous avoir rencontré puis de nous avoir invités. Franchement, c'était une expérience qu'on ne retrouvera pas ailleurs, où on a pu donc découvrir déjà votre culture, vos traditions, puis aussi votre histoire qui n'est pas forcément connue par tout le monde. On n'étudie pas forcément comment l'abolition de l'esclavage s'est fait en France et aussi en Outre-mer. Donc c'était super intéressant de connaître tout ça. Puis bah, vous êtes bien sympa, vous nous avez super bien accueillis. On est super content, enfin pour ma part, super content d'être venu. Moi, je rejoins du coup mon collègue métropolitain. Ça permet un échange culturel entre nous, parce que c'est vrai que bah, la Réunion, c'est pas à côté, et on n'a pas l'occasion de vous voir tous les jours. C'est enrichissant aussi, parce que bah, c'est vrai que comme il l'a dit, l'abolition de l'esclavage à la Réunion, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît. C'est là aussi où on voit tout l'esprit culturel en fait qu'il y a chez vous. On voit de là où ça vient, les origines, la source. C'était un réel plaisir pour moi bah, de vous accueillir. Il y a quelques semaines de ça, mon directeur m'a confié la tâche de faire votre programme, donc c'est avec réel plaisir que j'ai accepté. Parce que c'était pour moi une première expérience, le fait d'accueillir des métropolitains ici. Le fait d'accueillir, je vous avoue que c'était un peu stressant, puisque voilà, pour moi je suis encore très jeune, donc je ne me voyais pas vraiment faire tout cela. Et grâce à votre gentillesse et à votre collaboration avec l'ANASEJ, bah, j'ai pu faire face à toutes les difficultés. Et en tout cas, je tenais à vous remercier puisque vous étiez très sympa. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce séjour, c'est que autant que vous, vous avez appris, autant que moi, j'ai appris sur la culture de mon île, encore une fois de plus. C'est pas parce que je suis rayonné que je connais tout, qu'on est là tous les jours à apprendre, donc on a encore appris encore avec vous. Je pense que si vous n'étiez pas là, moi je n'aurais pas appris encore plus que ça. C'est important en fait de savoir d'où l'on vient, ce qui s'est passé avant en fait, ça nous permet d'avancer et de comprendre aussi l'histoire de maintenant et de pouvoir avancer en fait dans l'avenir et pas forcément refaire les mêmes erreurs que dans le passé. On pourrait croire que ça s'est fait pareil directement, que ça s'est très bien passé, alors que ça s'est pas forcément très bien passé les premières fois. Je pense que chacun devrait apprendre, parce que nous on vient de la métropole, on pense à nous, mais on pense pas forcément à vous qui sont d'outre-mer là-dessus sur l'histoire. Et vous faites partie de l'histoire de la France, on doit du coup connaître ça, et je pense que c'est quelque chose à développer nous en métropole. Je trouve qu'on ne connaît pas assez votre histoire, c'était très enrichissant pour nous de pouvoir la découvrir. En tout cas, merci beaucoup. Et au-delà de l'échange culturel, on s'est créé des liens d'affinité. Donc, du coup, on pourra vous accueillir quand vous voulez. Donc, on pourra garder contact. Il n'y a pas de souci pour ça. Et bah, de même, hein, vous êtes les bienvenus en Merci. métropole. Voilà. Merci.